Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Continue à bon et comme facile. Et ça le sous-souté au Katakayou, au Kenerote, les managers, Spotify, la bande de Kombongo. Dans ce là, il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, na yo continue la bande de au Baza, na Kinshasa, République démocratique du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, qu'on récupérer Mbongo Nandela, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, ezali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger Mokonalelo, Marambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tinda Mbongo, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware Nandela, il y a téléphone na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Formation du gouvernement en République démocratique du Congo. Quelles sont les raisons qui poussent à ce que ça traîne en longueur et quelles sont les conséquences sur le fonctionnement de l'État? On va faire quelques analyses comparatives avec la formation des anciens gouvernements sous le président Kabila, le premier gouvernement sous le premier mandat du président Tshisekedi et ici, là, maintenant, pour son second mandat, les raisons de cette... Merci Dan, pour m'avoir donné cette opportunité. Une fois de plus, merci. Je vous en prie, monsieur Jean-Félix Senga, je commence avec vous, mais on va d'abord comparer élection de 2006. Le président est élu le 30 juillet 2006, mais la formation du gouvernement est intervenue 7 mois plus tard, soit le 5, peut-être même 8 mois, le 5, le 30 juillet au 5 février, le temps est quand même un peu long, 8 à 9 mois, on va dire. Le 5 février 2007, le gouvernement Gizenga est formé. Donc, il y a 30 juillet, 5 février 2007. Deuxième élection du président Kabila en 2011, il est élu le 28 novembre 2011, la formation du gouvernement est intervenu, le gouvernement Matata, intervenu le 28 avril 2012. Voilà. Il y a eu combien de temps? Il y a eu 5 mois qui ont séparé l'élection du président et la formation du gouvernement. Élection du 31 décembre 2018 avec la première alternance, le président Tshisekedi, il est élu le 31 décembre, mais son gouvernement est formé en août 2019, soit près de 8 mois après son élection. Voilà, 5 mois, 8 mois, 8 mois, c'est quand même un peu long. On va analyser les causes de souvent ce retard, parce qu'on vient de le dire, le Sénégal, le Tchad venaient déjà d'investir leur gouvernement. Le président est élu il y a à peine une semaine et ils sont déjà en train de travailler. Pourquoi cela? Est-ce nécessairement la constitution ou les ambitions voraces des politiques congolais? Monsieur Jean-Félix Senga, votre avis à ce sujet? On a comparé 3 gouvernements formés à l'issue des élections. Quelle leçon on doit tirer de tout cela? Oui, merci. J'entends souvent les gens revenir là-dessus, les gens semblent se plaindre, pourquoi ça met beaucoup de temps. Eh bien, on se pose effectivement cette question, est-ce que ce serait dû à la constitution que nous prenons beaucoup de temps pour former le gouvernement? Voilà. C'est la première question qui vient à l'esprit. Je ne pense pas que ce soit la Constitution. Pourquoi? Parce que les gens disent cette Constitution des belligérants, cette Constitution qui a été
écrite par les belligérants dans le but de résoudre d'abord leur conflit afin de pouvoir le mettre ensemble. Moi, je n'ai jamais pris les choses de cette façon-là. Je n'ai jamais cru à cette thèse-là, qu'il s'agissait d'une constitution des belligérants. Pourquoi ? Parce que en Afrique du Sud, tout le monde y était. Le belligérant, la classe politique congolaise, à l'époque, celui qui était presque le chef de file de l'opposition, c'était Étienne Tshisekedi, en Afrique du Sud. Toute la société civile y était conviée. Il est parmi les signataires de l'accord de l'Afrique du Sud, l'accord global. Il était convié, oui. Donc, vous comprenez que cette constitution, le cas actuel, oui. La constitution veut que, après élection, s'il n'y a pas une majorité qui se dégage clairement, que l'on nomme un informateur qui puisse identifier et la majorité afin que les choses aillent comme elles se doivent. Aujourd'hui, à l'issue de ce que moi j'appelle simulacre d'élection, nous avons, il s'est dégagé plus de 94% des députés appartenant à l'Union sacrée. Donc la majorité sauter aux yeux. Donc il n'était point question de nommer un informateur pour faire passer le temps. On a nommé un informateur en lui donnant 30 jours. Malheureusement, heureusement, en moins de 15 jours, il était à même, il a fait le rapport parce que tout était clair. Et puis on dit non, non, on lui donne encore 30 jours. À ce moment-là, est-ce que vous allez accuser la Constitution d'avoir fait que nous mettions du temps pour former le gouvernement? Non. Pour vous, ça, il n'a pas s'agi de la Constitution. Oui. C'est la personne, du chef de l'État, qui a été à la base de ça. Mais en 2006. Oui, en 2006. Moi, je n'accuserai pas du tout la Constitution. Je peux peut-être me tourner vers la loi électorale. Parce que la loi électorale avec proportionnelle, ça avantage tous les partis politiques, ce qui fait que vous avez beaucoup de députés des partis épars ça et là, et il faut le reconstituer, le mettre ensemble, créer une majorité. Peut-être ça prend du temps. Donc s'il y a des correctifs à apporter, ce ne serait pas au niveau de la Constitution, mais par contre au niveau de la loi électorale. Donc, il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs, d'une part. D'autre part, c'est un problème qui se pose, qui serait dû à la classe politique. La qualité des hommes politiques de notre pays semble poser problème. Aujourd'hui, les gens qui viennent en politique, la plupart ne viennent pas en apostolat. La politique, ce n'est pas un appel. La politique, ce n'est pas un apostolat. La politique, pour eux, c'est un tremplin pour gagner le pain. C'est un tremplin pour se faire une santé financière. Eh bien, ces gens qui viennent pour matérialiser votre vision, parce que comment il gère s'il n'a pas une majorité qui n'est pas acquise à sa cause, une majorité qui apparemment lui met les bâtons dans les roues? Comment il fait? Bon, à votre avis, quand vous prendrez une autre formule, vous prendrez une autre formule, présidentielle soit-elle, donc le président, lui... Non, moi je pose la question, que lui proposeriez-vous? Comment il va gérer dans ce cas-là? S'il garde la même formule, comment il fait entre-temps? S'il garde la même formule, moi je crois que... Et c'est au niveau de la loi organique que tout est réglé. Il ne faudrait pas que dans ce pays, que l'on fasse croire aux gens, le problème qui se pose, il est d'abord le problème de loi. Non, ce ne sont pas des problèmes de loi. Parce qu'on ne les applique pas. D'abord, on ne les applique pas.
On ne respecte pas la loi. Si on regarde les mandats passés, on doit avoir aujourd'hui avec ce gouvernement qui est en train d'assurer les affaires courantes. Les choses dont, la manière dont ça se passait. On ne respecte pas la loi. Vous ne respectez pas la loi au départ. Mais vous donnez les culots d'accuser cette loi que vous ne respectez, vous n'obéissez, à laquelle vous n'obéissez pas. C'est pas correct. Merci beaucoup, c'est pas correct. Jean-Félix Séguin. Donc, le problème, c'est au niveau d'abord de la classe politique. Le problème, c'est au niveau de celui qui doit donner l'impulsion, qui lui estime qu'il a tout le temps. Merci beaucoup. Il a tout le temps. C'est pourquoi nous connaissons du retard. Donc, il ne faut pas chercher des subterfuges pour se sortir de ces sales draps. Non, c'est la responsabilité incombe à ceux qui sont en train de... Il y a expédition des affaires courantes. Soit il y a un ministre, un premier ministre intérimaire qui est, à qui on confie la gestion du gouvernement. Alors, selon vous, cela est dû à quoi, tous ces retards? Moi, je pense qu'il y a une grosse erreur au départ. Et ce sentiment-là, c'est Jean-Félix qui vient de me le suggérer, de me le mettre en tête. En fait, je me dis, mais à quoi sert une constitution? Elle sert à quoi? Si on va vers l'histoire des constitutions, qu'est-ce qu'on remarque? Les constitutions viennent pour régler les problèmes du pays, tels que les gens du pays le ressentent. C'est ce que devrait être la constitution. Du point de vue historique, il peut me tromper, mais d'après ce que me dit ma mémoire aujourd'hui, si je n'ai pas oublié ce que j'ai appris, la première tentative des constitutions, c'est en Grande-Bretagne, où le roi, face à des problèmes, face à la pression de la bourgeoisie, soit à la pression des masses, constate que la manière dont il gère le pays n'est pas conforme aux attentes de ceux qui sont en face de lui. Il y a, la constitution ne lui rend pas la tâche facile. Non, il n'y avait pas de constitution. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas une constitution écrite. Dans le genre de Nuno, il y a un joli bouquin. Non, c'est pas comme ça. Lui, il se dit, ah, puisque c'est comme ça, changeons les règles du jeu. C'est pas écrit, mais ça existe, ça s'est passé comme ça. Il y a eu des études, il y a des études sur ça. Et il dit, bon, puisque c'est comme ça, on va donner une partie du pouvoir à la noblesse et une partie du pouvoir aux classes populaires. D'où la chambre des lords et la chambre populaire. Voilà, ça s'appelle Common House. La constitution est venue pour régler un problème. Je prends un second exemple. La constitution française, la constitution de la Première République, 1789. La révolution, les gens ne sont pas contents du roi, ils ont tué le roi. Maintenant, on fait quoi? Il faut qu'on s'organise par rapport à notre problème. Leur problème à eux, c'était essentiellement le problème du pouvoir. Comment est-ce que le pouvoir est réglé? La noblesse, ils ont tout le pouvoir. La bourgeoisie et le peuple n'ont rien. Donc, ils se mettent d'accord pour trouver le moyen. Et le premier élément de la Constitution française, pas la Constitution française en tant que tu prends article 1, article 2, non, parce que la Constitution, ce n'est pas seulement ça. La Constitution, c'est aussi une pratique, c'est une façon de penser, c'est tout ça. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, pour la France, le problème qui se posait, le problème du peuple français, c'était qu'à ce moment-là, l'homme n'avait pas de droit par rapport à la royauté, à la bourgeoisie. Ils ont voulu régler ça. Et ils l'ont réglé. En touchant leur loi fondamentale. Il n'y en avait pas. Vous parlez de la première constitution de 1789. Ils ont créé à ce moment-là. Parce que la constitution, c'était le roi. L'État, c'était le roi. Non, c'est avant la révolution. Mais oui, justement. Mais donc, le premier acte de la constitution française,
c'est la déclaration des droits de l'homme. Ok ? Ils ont dit, c'est ça notre problème. Ici, dans ce pays, donc je parle de la France, à cette époque-là, l'homme n'est pas respecté en tant que tel. Tous les droits sont entre les mains de la noblesse, du roi et des nobles qui sont autour de lui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que la Constitution, ce n'est rien d'autre qu'une tentative d'une nation de se donner les règles pour régler ses problèmes. Et nous, à Sun City, je crois que Félix l'a dit clairement, nous avons aussi voulu régler ce que nous avons cru être nos problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inconvénient, là. Mais, quand vous faites ça, vous avez ce que moi j'appelle la dynamique du moment. À ce moment-là, quels sont les problèmes qui nous préoccupent? C'est cela que l'on règle. Qu'est-ce qu'on a réglé dans la Constitution de février 2006, qui a commencé à Sun City? On s'est rendu compte qu'il faut faire très attention à la dictature. On a vécu trop longtemps, c'est trop... Non, on ne veut plus de ça. Il faut que ça change, X années, il faut que ça change. Non, on ne veut plus de ça. Parce que c'était ça la dynamique du moment. Et la dynamique du moment, c'était aussi que... La condition de l'époque était... Elle consacrait plus ou moins la dictature. Mais c'était une constitution du dictateur. C'est lui qui la faisait. Il rassemblait 4 ou 5 personnes autour de lui, il disait « Nalingi boy, Nalingi boy, Nalingi boy ». Et puis, ils mettent le papier. Il fallait changer tout ça. Donc, à ce moment-là, il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient à la nation congolaise. Et les Congolais qui étaient là-bas, comme ce n'étaient pas des imbéciles, ils ont réglé ces problèmes-là. De dictature. Le problème de la dictature, mais aussi le problème de la division du pays. Parce qu'à ce moment-là, le problème, le pays était divisé. Ici, à Kinshasa, il y avait le gouvernement, mais il y avait, et puis RCD à l'époque, MLC à l'époque, MLC, etc., etc. Donc ces gens-là devaient régler ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas leur reprocher de ne pas avoir réglé les problèmes que nous découvrons après. Ça, c'est seulement pour dire, arrêtons de peindre le diable sur la muraille ou de considérer ces gens-là comme si c'était une erreur. Non. Il existe ce qu'on appelle la dynamique du moment. C'est le moment qui crée une loi à ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes à un autre moment. Et une autre dynamique aussi. Une autre dynamique. Les conséquences de la dynamique du moment actuel, nous les aurons lorsque nous aurons vécu les faiblesses. Alors, maintenant que nous vivons, nous voyons que nous avons une classe politique d'une qualité, je l'accepte, médiocre. J'en fais partie. Hein. En tout cas, j'ai aidé les politiciens, je continue de les aider, puisque je réfléchis. Elle est médiocre, il n'y a pas à discuter. La classe politique est médiocre. Elle est médiocre, personne ne discute là-dessus, il n'y a pas de débat. Bon. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème pour nous? C'est un problème capital. Il faut le régler. On peut le régler comment? Est-ce que... Ah, c'est là qu'il y a besoin de réfléchir. Lorsque vous mettez entre les mains de ces gens-là une loi fondamentale, ok, avec des règles, et puis qu'en même temps, vous dites que vous ne voulez plus de dictature, ok, celui qui est en position de diriger... Il se dit, ah, moi je fais attention, je ne veux pas qu'on me traite de dictature, je veux respecter la Constitution à la lettre. En quelque sorte, les dirigeants qu'on a eus après ces élections n'ont fait que respecter scrupuleusement la Constitution. En tout cas, j'étais aux affaires, ou en tout cas dans les coulisses des affaires, lors de ces 7 mois. Sept mois, donc Kabila, Gizenga. J'étais là. Donc j'avais bien suivi. Oui. Vous avez un président de la République qui se dit, moi, je ne veux pas être dictateur. Vous suivez tout à la lettre, point par point, mes chers amis. Nous conseillers. Ok? C'est ce qu'on a fait. C'est quand même trop. 7 mois. Oui, et ça a duré 7 mois. C'est ce qu'on a fait. Vous avez laissé la République
C'est ce qu'on a fait. Et je ne vais pas nier ce fait-là. Non, ce fait-là me condamne aujourd'hui à être beaucoup, un peu circonspect, à regarder les choses attentivement. D'accord. Aujourd'hui, il me semble, c'est mon point de vue. Essayez de conclure. Hein. C'est la manière dont je vois les choses. Hein? J'ai comme l'impression que nous avons quelqu'un à la tête de l'État qui est comme habité par la peur d'être qualifié de dictateur. D'ailleurs, il l'a dit hein, à Bruxelles ou je ne sais pas où, quelque part. Mmh. Ah, ne faites pas de moi un dictateur. Et en même temps, vous avez une pression, c'est-à-dire de nous qui sommes dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Lubumbashi et partout, en disant, mais, oui, mais il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous nous regardons le chef là, nous nous disons, mais ça là nous quitte. Ah tiens, bio, bio. Mais hein? En conclusion, non, on comprend que la Constitution... En conclusion, on comprend que la difficulté, elle n'est pas entre les mains de quelqu'un, contrairement à ce que dit Félix. Elle est entre les mains des institutions que nous avons mises en place. N'ayons pas peur de les critiquer. N'ayons pas peur de critiquer et la Constitution que nous avons mise en place, les institutions en général, et l'homme qui les dirige. N'ayons pas peur. Analysons tout ça. Autrement, on se trompe. Parce que moi, à sa place, j'aurais la même crainte. Admettons, si c'est ce qu'il dit, mais tape aujourd'hui le point sur la table. Et madame, demain matin, vous me sortez le gouvernement. Le gouvernement. Elle va peut-être le faire, peut-être pas. Merci beaucoup. Elle le fait. On est en dictature. Merci beaucoup. Elle ne le fait pas. Mm-hmm. On est soi-disant en démocratie, mais regardez le temps que nous perdons. Mm. Moralité, mettons-nous autour d'une table calmement, sans venir à chaque fois penser qu'on vient là pour détruire ce qui est fait. Non, on est là pour améliorer. En tout cas, les intellectuels sont là pour ça, pour réfléchir et améliorer. Merci. Il faut régler ce problème de constitution, de respect de la démocratie, que construisons une démocratie en tenant compte de nos réalités. Merci. Nous ici, nous sommes des gens pressés. Nous avons un pays sur le développé. Nous voulons que les choses aillent vite. Et pour qu'ils aillent vite, il faut que la constitution mette des contraintes. Très bien. Je dois être juste. C'est à ça qu'elle sert. Je dois être équitable dans la répartition du temps d'antenne. Monsieur Jean, vous avez légèrement débordé par rapport à lui. Monsieur Jean-Félix Senga, je vous passe. Laisserez récupérer. je vous passe la parole. La constitution de la RDC, la constitution de la France, 25 fois révisée. 25 fois révisée, parce qu'elle avait des faiblesses. Vous n'allez quand même pas dire que cette constitution n'a pas de faiblesses. C'est celle de 2006. Vous n'allez quand même pas dire qu'il n'y en a pas de faiblesse. Mais aujourd'hui, le fait que le chef de l'État dise tout, qu'il faut qu'on change la Constitution, vous pensez que ce n'est pas pour résoudre ces problèmes-là, principalement de mise en place du gouvernement, parce qu'on avait un devoir ici que les temps que ça prend par rapport aux autres pays, c'est vraiment beaucoup de temps. Vous pensez que ce n'est pas vraiment l'intention principale pour lui de pouvoir réduire le temps et que mettre le pays en marche? Oui, j'essaierai personnellement tenter d'aborder, de négocier les choses telles qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce que lui a eu d'abord à exercer, à être, comme tu dis, vous dit, dans le couloir, donc il en sait quelque chose, hein, quelqu'un qui a eu à pratiquer. Mais ma crainte, c'est que là où moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre et que je ne voudrais pas d'emblée accuser les textes, c'est le fait que vous nommez un premier ministre. Quand vous le nommez, après avoir identifié la majorité, on nomme un premier ministre. Ce premier ministre fait des contacts, prend langue, harmonise avec toutes les composantes du grand groupe. En 2 mois, il est incapable de sortir un gouvernement. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Voilà. Vous pensez que, parce que comparaison n'est pas raison, vous pensez que quand au Sénégal, dans moins de quelques temps, on sort le gouvernement, ce serait à cause nécessairement des textes, ou c'est parce que les gens qui viennent aux affaires, ils viennent avec des idées
clair, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et voilà pourquoi ils se donnent tout le temps pour faire ce qu'ils se sont donné de faire. Même au Tchad, les présidents prêtent serment la journée, dans la soirée, le Premier ministre est connu déjà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi devrions-nous chercher à accuser d'abord les textes? Nous voulons, nous les acteurs politiques, nous dédouaner, dire que ce sont les textes qui sont mauvais. Voilà, il faut arranger les textes, c'est alors. À ce moment-là, ça nous pousserait à aller loin, aller très loin. On dit oui, mais même quand on détourne les deniers publics, il n'y a aucune action en justice. Ce serait dû au texte. Ce qui se passe là, tout ce qui se raconte, tout ce qu'on voit, ce serait dû au texte. Non, mais non, quelque part là, texte, il faut reconnaître que le politique congolais est démissionnaire. Est-ce que le texte je est ne peux pas, moi, est totalement innocent? À ce niveau, je ne peux pas dire le texte est parfait. Je ne peux pas me permettre de dire ça. C'est l'œuvre humaine. Comment voulez-vous que moi, je me lève, je dise non, non, une œuvre humaine est parfaite? Ah, voilà. Donc, ce serait anormal. Donc, mais maintenant, je pose la question. En termes des priorités pour régler le problème sur le terrain, ce serait de commencer par les textes ou que l'acteur politique soit sérieux avec lui, soit sérieux et fasse ce qu'il est censé faire avec diligence. Donc, à votre avis, quelle serait la solution la plus facile? Qu'on cherche d'abord à changer les textes? La question, ah non. La question, non. Le problème... Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait un Premier ministre qui fait 2 mois sans trouver... sans avoir un gouvernement avec lui. Et puis après, on me dit, non, il soumet au président, le président rejette. Tous ces 2 mois-là, le président et le Premier ministre faisaient quoi? Ils ne parlent pas de ça. Ils ne traitaient pas de la question. C'est seulement maintenant que ça presse. Ils seraient prêts, on attendrait l'installation du bureau définitif et les choses s'accéléreraient. Malheureusement, on met du retard. Moi, je lis ça à l'homme qu'au texte. C'est pourquoi je me dis il n'y a pas urgence donc, à dire que nous devons... revoir nos textes. Mais est-ce que nos textes donc, peuvent avoir un problème? Oui, les textes peuvent avoir un problème. Mais ici, essentiellement, c'est l'homme qui est la cause du problème. À mon humble avis, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que quand on doit résoudre le problème, moi je me dis, pour résoudre le problème aujourd'hui, avoir un gouvernement... Est-ce qu'il faut d'abord que nous modifions les textes? C'est alors que les choses vont s'accélérer, que nous ayons un gouvernement? Non. Kabila, par 2 fois, a mis 7 mois. Et la 2e fois, il a mis 5 mois. Là, c'est aussi un problème d'homme. Toujours un problème d'homme. C'est toujours le même problème. Mais ce n'est pas parce que il s'agit de Kabila que l'on dira non, lui, ce n'était pas un problème d'homme. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que la MP s'était constituée bien avant les élections. Quand on regarde à l'époque, le PPRD à lui seul avait fait combien de députés? Je crois, ça n'a pas empêché qu'il mette autant de mois pour former un gouvernement. Ça n'a pas empêché que ça mette autant de mois. À l'époque, oui. Je crois que c'est lui-même qui a voulu composer avec les Palous. Vous n'allez pas me démontrer, à moins qu'il me prouve ici que n'eût été les Palous, la MP serait incapable d'avoir une majorité et par conséquent d'avoir un gouvernement. Non. Et ça a mis quand même du temps. Non. Ça a mis quand même du temps. Non. Donc, quelque part là, il y a quelque chose lié à l'homme. C'est-à-dire, lui, il se fait une idée que non, moi, il me faut. Composer avec le Palou, parce que je pense si je compose avec le Palou, donc vous avez une grande majorité de la population qui va adhérer à notre cause, à ce que nous allons faire. Ça, c'est lui qui réfléchit ainsi. Et c'est à cause de lui que les choses prennent du temps. Ce n'est pas à cause du texte. À cause de l'homme. C'est à cause de l'homme. Alors, c'est quoi les conséquences? Parce que
On a eu un gouvernement qui a été un gouvernement qui a démissionné. Le premier ministre a démissionné, mais le chef de l'État lui a demandé de poursuivre. Il expédie des affaires courantes. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est laquelle d'avoir un gouvernement qui est expédie des affaires courantes pendant plus de 5 mois. C'est quoi la conséquence dans le fonctionnement de l'État? Donc, si nous voulons, comme je l'ai dit, apporter des solutions aux problèmes qui se posent, il va falloir que nous commencions d'abord par appliquer les textes que nous avons. C'est en appliquant les textes que l'application, la pratique des textes va démontrer certaines limites. À ce moment-là, nous allons les enregistrer et trouver que non, à la longue, il va falloir que nous arrangeons ça. Vous, au départ, vous n'appliquez pas. Mon problème, c'est à ce niveau qui se pose. Quand le président demande que le gouvernement continue à assurer des affaires courantes, le président viole la loi. On n'a pas le courage de le lui dire. On n'a pas le courage de le lui dire. Écoutez, nous, Congolais, nous sommes un peuple à part. Ça fait un débat. Tous les grands juristes... Moi, je crois avoir fait les débats ici avec Maître Bondo. Je crois avoir fait ce même débat-là avec M. Freddy, ici chez vous, M. Freddy Moulumba, à ce sujet-là. Et tout le monde s'est accordé qu'il y avait violation. Maintenant, le président a continué. Et nous avons continué à l'accompagner dans sa violation de la loi. La loi a été violée. La loi a été violée. La loi n'est pas mauvaise. Vous violez la loi, et puis vous vous retournez, vous dites non, c'est la loi. Et à un moment, il a dit, le président a dit en Belgique, ne faites pas de moi un dictateur. Ne faites pas de moi un dictateur. Mais moi, j'ai été aussi ahuri d'entendre le même président en France se poser la question. Lui, il est président du parti communément appelé Union pour la démocratie. Il dit, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? Parce qu'il lui appréciait les systèmes chinois. Parce que les systèmes chinois font que les Chinois ne s'en plaignent pas, ils sont contents. Et lui, il se demande même finalement, au finish, la démocratie, c'est quoi? Merci. Il remet en cause ce pourquoi il s'est battu 37 ans. Il remet... Donc vous comprenez que parfois nous ne comprenons même pas ce que nous faisons. Et voilà. Nous induisons comme ça les gens en erreur. C'est pourquoi il faut toujours faire attention à ce qui se passe. C'est pourquoi j'insiste, je soutiens qu'actuellement, ce retard est dû d'abord à l'homme. Alors, monsieur Jean-Pierre Kambila, vous avez semblé dire que ce retard est aussi dû à la Constitution. C'est ce que les téléspectateurs ont retenu. D'une certaine manière. Laissez les téléspectateurs retenir ce qu'ils ont retenu. Bon, moi j'ai... Bon, ils ont retenu, c'est ce qu'on a compris. C'est ce que moi j'ai compris. Ah, bien. Alors, deuxième chose, vous avez cité également l'homme. Parmi les raisons, comme M. Jean-Félix Senga. Donc, d'une part, il y a l'homme. D'autre part, il y a la Constitution, les textes. Alors, qu'est-ce qui est, on va dire, qu'est-ce qui est prépondérant? Qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est l'homme ou c'est vraiment la Constitution? Dans ce retard. Vous savez, dans les affaires humaines, et notamment les affaires politiques, vous êtes tout le temps dans une relation dialectique. Ouais. C'est-à-dire que les lois sont là, les hommes sont là. Je dis les hommes, je n'ai pas dit l'homme. Les hommes sont là, c'est-à-dire la qualité de la classe politique, de ceux qui utilisent cette Constitution. Ok? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais corriger quand même quelque chose, parce que ça, je pense que c'est important. Pourquoi vous interprétez le fait de poser la question « qu'est-ce que c'est que la démocratie ?» C'est une façon de la nier, de la refuser. Non. Moi, j'ai compris ceci du discours du président. La démocratie telle qu'elle est en Occident aujourd'hui, c'est une forme de démocratie. Les Occidentaux n'ont pas à nous dicter la forme de démocratie, à copier leur forme de démocratie. Et lorsque le même président de la République dit « j'ai parlé avec des Chinois et j'ai senti qu'ils sont heureux ». Mais il a précisé lui-même. Il n'a pas dit « j'ai parlé avec les autorités ». Il a parlé avec le démos, les gens. Mais c'est ça la démocratie, non?
La démocratie, c'est les gens, c'est le pouvoir des gens, c'est ce que pensent les gens. C'est ce que pensent les gens. Je ferme cette parenthèse-là, mais j'ai voulu quand même la faire, parce qu'il ne faut pas qu'on on considère... La Chine, c'est aussi une forme de démocratie. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Et à certains égards, mieux que les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'en Chine, le souci... Il y a beaucoup de restrictions. Oui, il y a des restrictions. Lorsque les restrictions sont faites pour améliorer le sort de la majorité, c'est une décision démocratique. Okay? Parce qu'on regarde le sort de la majorité, pas le sort d'une classe sociale, d'une bourgeoisie qui domine le reste. Alors, en Occident, Liberté d'expression pas assez... Pardon ? Liberté d'expression pas assez libre, comme on le voit ailleurs. Oui, mais c'est parce que dans la démocratie occidentale, on considère l'expression comme étant un élément essentiel, de base. Moi, je ne considère pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Le président chinois est voté au second tour. Il peut revenir à plusieurs mandats. Mais c'est démocratique, parce que. Troisième. C'est démocratique. On peut aussi copier ce même modèle-là. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas qu'on doit copier. Non. Nous, on doit faire selon ce que nous voulons, selon la qualité de nos dirigeants politiques. Il a bien dit. Nous avons une classe politique de qualité médiocre. La Constitution, notre façon d'agir, notre façon doit régler nos problèmes, ni les problèmes des Européens, ni les problèmes des Chinois. Et quand les Européens veulent nous amener à faire comme eux, parce que j'ai regardé cette émission, je connais ce journaliste, je connais son arrogance, c'est comme si vous voulez dicter à un président de la République d'un pays étranger, vous devez faire comme nous, parce que là-bas, regardez ce qu'ils font, ils font ça, ils font ça. Mais ce ne sont pas nos critères. Nous avons le droit d'avoir nos critères. Revenons à nos moutons. Ça, j'ai ouvert seulement cette parenthèse pour que nos téléspectateurs sachent que ce n'est pas ça qu'il faut voir. Que ces gens-là, ils ont leur intérêt. Leur démocratie. Ils ont leur façon de voir la démocratie. Et parce que la démocratie, même chez eux, depuis que la démocratie est née, c'est-à-dire depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la même démocratie. Elle est passée par... Elle est passée par plusieurs stades. En France, là-bas, à un moment donné, pour voter, il fallait avoir de l'argent. D'accord. Ce qu'on appelait le système censitaire. Mmh. Aujourd'hui, ça a changé, tout le monde va voter. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons nous copier là-bas. Nous, notre constitution, c'est-à-dire le texte qui sera nôtre, la façon de régler ce texte doit correspondre à nos problèmes. Si nous estimons que nous avons une classe politique médiocre, c'est à notre loi fondamentale de poser les lois qui empêchent ceci. Si nous estimons que le délai est trop important, on a mis 7 mois, puis 5 mois, puis 8 mois, puis maintenant on en est à 6 mois, sauf à peu près 5 mois et quelques, 6 mois. Nous considérons tous que c'est trop, parce qu'on se plaint, tous, moi y compris. Mais c'est dû essentiellement à l'homme, pas à la Constitution. C'est dû à quoi exactement? Les hommes doivent obéir à une loi. Ok? Mettons les lois qui contraignent ces gens-là à ne plus passer 7 mois comme sous Kabila, lorsque moi j'étais aux affaires et que je le conseillais. Vous prêchez la révision et le changement de la Constitution. Mais je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Parce qu'on ne va pas maintenir une Constitution juste à cause d'un article. Non. Si vous voulez maintenir cet article-là, maintenez-le. Mais soyons quand même réfléchis. On ne va pas rester dans quelque chose qui ne règle pas nos problèmes, juste pour empêcher quelqu'un ou pour favoriser quelqu'un. Surtout si on veut faire un débat, entre guillemets, d'intellectuel. Non. Cette constitution, on ne la révise pas pour l'article 220. Moi, j'ai écrit tout un bouquin, je voulais peut-être donner ici une fois, sur la nécessité de réviser la constitution. Mais il y a des tas de choses. Mais il y a eu l'un de vos anciens camarades, comment il s'appelle, le professeur Beauchab, qui avait sorti un bouquin qui parlait de la révision de la Constitution à l'époque. Oui, bien sûr, avec lequel j'étais d'accord. Mais il avait traité de tous les noms à l'époque, je crois, me rappelle en 2014 ou 2015. Oui, qui avait traité de tous les noms? L'opposition de l'époque. Mais c'est leur responsabilité, moi je n'étais pas avec eux. En tête, l'UDPS. Non, ça, Nicolas. Quel est mon frère? Quel est mon problème? Je n'étais pas avec eux. Mais le problème est que... Qu'est-ce qui a changé? C'est eux, c'est leur perception qui a changé ou c'est les textes? Parce que hier ils disaient que c'est pas qu'il faut pas toucher à la Constitution. Monsieur Dan. Mais aujourd'hui, ils disent qu'il faut changer la Constitution. Monsieur Dan, je répète. Oui.
écouter toutes les bandes de télévision que j'ai fait à cette époque-là et ce que je fais actuellement. Je ne change sur aucun iota. Vous êtes constant. Je ne change pas. Je dis que cette constitution n'est pas la réponse à nos problèmes. D'accord. Elle est la réponse des problèmes du momentum, de ce moment-là. D'accord. Elle a respecté, il y a eu une dynamique du moment. D'accord. Ils ont fait ça. Ce n'est pas qu'ils étaient bêtes. Mmh. Ils étaient intelligents parce qu'ils avaient vu les problèmes qu'il y avait à ce moment-là. C'était ça, ça, ça. Or, maintenant, à la pratique, nous voyons qu'il y a d'autres problèmes que nos aînés, enfin, il n'est pas d'âge, hein, que nos aînés, parce que c'est eux qui ont agi à ce moment-là, n'avaient pas vu. Nous ne les avons pas vus. On ne va pas se dire, on s'accroche à cette question-là, parce qu'il y a un article 220 qui empêche de tomber dans un pouvoir qui dure trop longtemps. Merci beaucoup. Ouais, c'est ce que je dis. Tout à fait. Ayons le courage de lire notre Constitution par rapport à notre situation de ce moment-ci, parce qu'on ne peut pas savoir les difficultés que nous aurons demain, mais nous connaissons les difficultés que nous avons eues depuis que cette constitution-là est corrigeons-la sur ce point-là. Si vous estimez que... Merci. Si les gens qui sont en face de moi pensent que le 220 est intouchable, mais qui viennent à la discussion en disant le 220 est intouchable, nous ne voulons plus la question qui s'était posée à ce moment-là de la pérennité, d'une sorte de pérennité du pouvoir est toujours d'actualité. Il faut maintenir. Merci beaucoup. Autour de la table qu'on va régler. Merci. Mais maintenant... S'il vous plaît. Non, vous lui laisserez la parole. Non. J'estime que ceci est ce que je... Bon. Terminé. Regardez. Vous m'avez même fait perdre le fil de mon idée. Laissez-lui parler, ça reviendra. D'accord, merci beaucoup. C'est juste pour équilibrer un peu. Il n'y a aucun problème. Le temps d'antenne. Monsieur Jean-Félix Senga, vous étiez dans l'opposition avec le président Tshisekedi à l'époque. Vous avez vu dans les activités, il y a même, je crois, même jeudi, il y avait une activité chaque jeudi. Jeudi, quelque chose comme ça. Alors. J'ai dit serveur. Vous opposiez à l'époque farouchement à la révision ou changement de la Constitution avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La crainte, c'était laquelle à l'époque? Oui. Hein? 220. Dan, vous avez dit la France a changé sa Constitution, a modifié plus de 25 fois. Oui. Bien plus que 25 fois. Vous avez dit plus de 25 fois. Oui. Mais en combien de temps? Depuis 1958. Ça, c'est un. Depuis 58. De deux. Mais qu'en est-il des États-Unis et de l'Angleterre? La Constitution des États-Unis date de 200 ans. Hein? Mm-hmm. On l'a modifiée combien de fois? Pas plus de 22 fois. Mm-hmm. En 200 ans. Mm-hmm. Maintenant, si je dois prendre sa logique, que chaque fois qu'il y a des problèmes, la dynamique, le problème du moment exige que l'on traite et que on le traiterait par la modification de la Constitution, décidément, nous, on passera toute notre vie qu'à modifier la Constitution. C'est ma crainte. C'est pas ce que je dis. Hein. Non. J'ai repris, je crois, vos paroles quand vous avez parlé de la dynamique, vous avez parlé de problème du moment. Oui, c'est de là que je pars. Oui. Et je me dis, si l'année est ainsi... Je crois que nous passerons plus le temps à modifier la Constitution. Ça, c'est deux. Trois. À l'époque, quand nous nous tenions qu'on ne bouge pas la Constitution, c'est parce qu'effectivement, nous nous imprégnions de ce qui s'est passé à San City. Le problème auquel nous étions confrontés, nous, lui-même, l'a dit bien avant moi, c'était la dictature. Nous avions vécu une dictature de M. Mobutu. Nous craignions que nous retombions encore dans la dictature. À l'époque de Mobutu, le régime était présidentiel, ce auquel on souhaiterait revenir aujourd'hui. Le régime était présidentiel. Mais on est dans un autre contexte. Aujourd'hui, on est dans un contexte démocratie. À l'époque, c'était la dictature. Donc, on ne peut pas parler de la même chose. Il est vrai, à l'époque, c'était la dictature. Et bien avant, quand lui, il prend la parole après moi, il a recadré quelque chose, il a situé quelque chose
en son temps, quelle était l'idée qui a prévalu pour rédiger des constitutions? L'idée première, c'est quoi? C'est protéger, préserver, sauvegarder le droit des citoyens. C'était ça. L'idée première n'était pas celle de donner le pouvoir aux dirigeants. Oui, au contraire, c'était de leur prendre. C'était de leur prendre le pouvoir. Oui. Mais vous, quand vous nous demandez aujourd'hui de modifier la Constitution, le but, c'est de prendre le pouvoir, le donner à un individu. C'est un problème. Ce n'est pas parce qu'il s'est écoulé, je crois, plus de 25 ans, que vous avez oublié que nous venions d'une dictature qui a fait beaucoup de mal au pays. Et ça, moi, je le reproche aux Congolais, cette facilité-là d'oublier. Il suffit d'un petit temps, on oublie tout ce qu'on a vécu. Non, nous venons d'une dictature et nous avons tout intérêt à faire en sorte que nous ne retombions pas dans la dictature. Donc ce serait une grosse erreur de notre part de prendre le pouvoir, le mettre entre les mains d'un individu présidentiel, démocratie, soit-il, parce que d'abord ces individus viennent de prouver qu'ils ne respectent même pas les textes. Si on passe au régime présidentiel, on bascule dans la dictature à nouveau. Je n'ai pas dit que si on passe, on bascule automatiquement. Mais avec le temps, on va tomber. On va tomber dans ça. Parce que c'est dans le jeu. Ça va, il va. Dan, je voudrais insister sur quelque chose. D'ailleurs, sur ce que je voudrais insister, je crois qu'il est d'accord avec moi, il ne me contredira pas. La Constitution n'a pas pour objet de donner le pouvoir aux individus au détriment du peuple. Non. Non. C'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Mais maintenant, ce que vous voulez nous demander, c'est. Vous voyez que ce n'est pas correct, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Nous allons travailler contre nous, tout simplement parce que, après avoir passé un petit temps, nous avons oublié ce que nous avons vécu. Non, il faudrait que le passé nous accompagne, soit toujours avec nous, et ça nous aide à bien recadrer les choses pour notre bien. Voilà pourquoi nous tenons à ce qu'on ne touche pas à la Constitution, et surtout à l'article 220, qu'on n'y touche pas. Oui. Après tout, moi je me dis, quelqu'un au-delà de 10 ans, aura-t-il encore quelque chose à proposer? S'il est encore jeune, peut-être. Non, on ne sait jamais. C'est pas un problème de. C'est pas un problème de jeunesse. Est-ce qu'on a des idées seulement quand on est jeune? Quand on est jeune, on ne réfléchit pas. Quand on est jeune, on ne prend pas le temps de se concentrer. On n'aura quelle idée? C'est pas la jeunesse qui donne les idées. Mais non, qu'est-ce que l'opinion devrait retenir? Selon vous, qu'est-ce que l'opinion doit retenir? C'est votre dernière prise de parole. Elle doit retenir quoi? De ce débat sur le changement ou la révision de la Constitution. Qu'est-ce que l'opinion devra retenir? La plupart des questions soulevées aujourd'hui, ce sont des questions, à mon humble avis, qui ne se résolvent pas par le changement de la Constitution. Okay. Il y a certaines lois, comme je l'ai dit tantôt là, notre loi électorale. Mmh. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Pourquoi on peut avoir dans un pays quelqu'un élu gouverneur, sénateur, député national, province, municipal. Comment est-ce possible? Est-ce normal? Donc, c'est dire l'excellence, c'est seulement lui. Futur ministre. On se pose toutes ces questions-là. Mais cette question, pour la résoudre, est-ce qu'il faut toucher la Constitution? C'est la loi électorale. En son temps, nous avions proposé une loi électorale que, dorénavant, si quelqu'un veut postuler, il ne peut postuler qu'à un seul... Un seul niveau. D'accord. Mais c'est les parlementaires d'hier qui ont dit non, on risque de nous empoisonner. Quand vous avez des suppléants qui ne sont pas vos enfants, vos femmes, vous voyez, on est en train d'abrutir, d'avilir la société. Donc ce qu'il faut que notre peuple retienne, le problème qui se pose aujourd'hui avec Acuité, ce n'est pas le problème des textes. Ce sont des problèmes des hommes parce que nous avons une très mauvaise qualité d'opérateurs politiques. Et ça, si on commençait à sévir, je crois, beaucoup de gens vont se redresser et avant qu'on ne revoie les textes si il en était besoin. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga. Je vous donne aussi 5 minutes. Alors, votre oui, ce que je remarque, c'est que les hommes politiques congolais
mon vis-à-vis, je le mets là-dedans, très amicalement, ne voit la Constitution que comme un instrument en faveur de leur position politique. Comment ça? Bien sûr. Pourquoi on cherche en dessous l'article 220? Parce que si on change cet article-là, on va laisser à l'autre l'occasion de faire un troisième, un quatrième, peut-être même un septième mandat. De l'autre côté, vous... C'est la dictature, ça. Ben voilà. De l'autre côté, vous avez des gens qui disent... Il fait long, on ne réfléchit pas comme ça sur un État. Il y a une nation. Nous devons essayer de réfléchir, de prendre de la hauteur. Okay? On ne doit pas avoir des préjugements. S'attaquer seulement plus ce moment-là. On devrait toucher 220? Pardon? Vous pensez qu'on devrait toucher? Mais c'est pas... Moi, je ne parle pas du 220. Non, votre avis, votre avis. Vous pensez que si on touche au 220, ça ne va pas poser de problème? Pardon? Si on touchait au 220, ça ne va pas poser de problème, selon vous? Mais je n'en sais rien. On toucherait au 220, pourquoi? Parce que le 220 limite certaines choses. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Oui. C'est aux constituants congolais de se rassembler puis de discuter là-dessus. D'accord. Mais moi, je donne une opinion sur la Constitution. Je dis que la Constitution actuelle, elle ne tient pas la route. Elle ne nous aide pas sur nos vrais problèmes. Par exemple, ce problème de retard. D'accord. La Constitution doit contraindre. La loi, c'est ça. La loi, c'est la contrainte. Pourquoi on dit la loi est dure, mais c'est la loi. La loi doit pas laisser l'espace. Et ne doit pas empêcher non plus les gens à travailler. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Mais l'opinion doit retenir quoi de votre passage, juste? L'opinion doit retenir que la Constitution actuelle ne nous aide pas à avoir des institutions qui nous permettrait d'avancer. D'accord. Le problème, la Constitution actuelle, elle est trop ouverte sur un certain nombre de choses. Celui qui veut me lire plus en détail, il peut me chercher, je lui donnerai mon petit bouquin. Et je viens de sortir, il y a peut-être 2-3 jours, je ne me rappelle plus, dans la presse ici, un petit résumé, où je cite des choses précisément. Vous m'avez envoyé, je crois. Vous me l'avez envoyé aussi. Je pense que je voulais envoyer. Alors, lisez-le. Il y a des choses qu'il faut changer. Il ne faut pas qu'on s'arrête là, ça, seulement pour sauvegarder les 222. Merci. Seulement pour empêcher, seulement pour faire de l'obstruction. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Merci. Nous qui aimons jouer au football, c'est pas parce que. Allez, Tindikinga. Vous jouez à quel poste? Non. Mais à quel poste?